Voilà. Donc, j'en étais, je sais plus du tout où. Succès, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ah oui, je venais de faire ma super armure. Mais je n'ai pas encore le casque. On va voir. C'était comment, équipement? Ah, c'est juste casque. Donc je l'ai. Ok. Eh ben. Allons explorer l'espace infini. J'ai des... Ouais. J'ai un générateur d'oxygène. Et il faut que j'aie 1000. Et j'ai encore une station avec moi. On va essayer de se rapprocher du point à 1500 mètres. J'espère que je vais pouvoir avoir un meilleur propulseur. Parce que là, il est bien, mais... Il est un peu juste un petit genre le Sea Glide. Dans notre super pote Subnautica par exemple. Ça serait parfait. Un petit vout. Hop, il reste combien de temps là-dedans? 340, on recharge un peu. Ouais, complètement en fait. Work, work. Ah oui, là il faut que j'aille me mettre au-dessus du feu, c'est juste. Il va falloir que je trouve des coffres et que je farme un peu aussi les zones parce que je manque cruellement de matériaux. Il y a quand même un gros illogisme avec cette... Il n'y a pas d'inertie, alors que normalement dans l'espace il y a de l'inertie. Mais on s'en fout. On joue pas au jeu pour ça. Allez. On essaye d'avancer un maximum. Normalement, maintenant, le stream est fluide. Hein? Non, mais j'ai nulle part pour me réchauffer, c'est chiant, ça. Ouais, c'est vraiment la merde. J'ai à la rouge. La rouge, c'est ma rédemption, parce que là, c'est un peu compliqué. Voire très compliqué. Le tunnel est là devant, hein. Quelle perte d'oxygène, quoi. Inutile. Ouais, 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 il vaut mieux. Je sais pas. Par là, c'est bien parce qu'on peut avancer sans avoir besoin de se réchauffer. Si mètres par seconde, j'ai 80. Oui, fois 6, 48, ça fait 480. Je peux y arriver sans avoir besoin de me ravitailler là. Normalement. On va essayer.
Ouais, ce sera tout juste, mais ça le fait. Je suis parti équipé comme un âne en plus. Faut que j'aille explorer par là. Faut que je trouve des coffres. Faut que. Pas être foufou, hein. Que ça? Ici pour c'est la peinture ça. Non c'est pas la peinture 40 secondes puis là il y a un coffre faut l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai envoyé valdinguer là encore un coffre. Ah oui c'est halte pour non. Oui. Ouh, ça va être compliqué cette histoire. Ça va être très compliqué cette histoire. Très très compliqué. Parce que même si je la recharge. Donc je peux me recharger pendant qu'elle se recharge, ça c'est toujours bon à savoir. Et je trouve un nouveau matériau. Pour avoir de nouvelles recettes, pour un peu avoir une nouvelle, un nouvel objectif. C'est quoi ça? La peinture. Là, je dois déjà faire demi-tour. Que ça sert à quelque chose que j'ai jusque là ou pas. Je rechargerai hein, parce que à mon avis je suis foutu mais. À 300 mètres en 40 secondes. C'est jouable mais c'est chaud. C'est jouable mais c'est chaud. J'ai l'impression que vous n'avez pas le son du jeu. Oui, ben, 2 secondes. C'est fou ça. Non, vous avez pas le son du jeu. Étrange. Très étrange.
Ah, ça va mieux comme ça. Nettement mieux. Bon, est-ce que... Je vais recharger, hein, avec ce qui me reste de vie, qu'on soit bien clair, je vais crever. Incessamment sous peu. Point d'évacuation là. En fait, il faut juste que je contourne ma zone de congélation, c'est tout. Je peux le faire, hein, en semant mes stations magiques. Camarade, j'ai pas d'eau. Ouais, il faut juste que je passe pas au milieu. Ouais, on va déployer la capsule. Je crois qu'il nous restera vraiment plus d'oxygène. Ouais, c'est ça, c'est la bonne solution, ça. Bon, pas par là, hein, mais. Je vais à la jaune. Oh. J'ai encore un. Ah ouais, j'en ai deux avec moi, c'est bien ça. Ouais, bah oui, ça fait une semaine que j'ai pas joué. Il faut que je me remette un peu mon inventaire en tête et tout. Hein. Ce qu'on va faire, donc le chemin, ce serait de la navette à la première jaune, à la deuxième jaune. On évite la congélation. Oui, ils sont sûrement déjà tous morts. Mais ouais, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok, chargeons. Qu'est-ce qu'il nous faut pour créer une deuxième station? Ce serait bien d'en pouvoir en créer une deuxième. Équipement, non, c'est objet statique. Station, bougie d'oxygène. Et aluminium. Bougie d'oxygène, j'ai pas de pneus, c'est ça le problème. Non, j'ai pas d'alu, mais ça, l'alu, ça se trouve. Donc, il me faudrait du pneu. Non. Du pneu, sans aller trop loin, on devrait pouvoir en trouver. J'ai mis un petit container, juste un petit container. Oh, ça c'est une grosse vis. Là. 30 secondes, il y a 100 mètres à faire, c'est bon. Probablement j'aurais du pneu. Non, il faut remonter.
commence à gérer la rentrée. Mais non, hein, puis. J'adore cette musique. Un petit container, n'importe lequel, n'importe où. On dirait qu'il y a des boîtes, mais. Du pneu. Ouh, une bougie d'oxygène. Ouh, du tissu. Et oui, ça me permet de faire je sais plus quoi. Encore une bougie d'oxygène. Eh mais. C'est bien ça. Moi je voudrais bien du pneu. Normalement je peux respirer. Allez, le poulet. Ah. Parfait. Non, pas d'autre. Je me fasse un petit peu d'alu sur le retour. De l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Alors, de l'alu, il y en a là, je crois. Est-ce qu'il ne faut pas la perceuse que je n'ai plus? Je pense bien que si. Distributeur de glace, non. Ah, alu. Hein, je l'ai pas. Hein. Bon, deuxième mission, se refabriquer une perceuse. Des stations, des stations, des stations et une perceuse. Allez, hein. Ouais, je commence à redevenir un expert en rentrage de station. Mon cul. Faire une perceuse. Une perceuse. Ressources. Fais péter le ruban isolant épais. C'est deux pneus à chaque fois, quoi. Allez, sérieusement. Un pneu. Hein. Et du tape. Comment est-ce qu'avec deux pneus, tu ne fais qu'un tape? Enfin, si, en fait. Vu que tu vas peut-être les tirer, tout ça, pour le rendre. Je sais pas. Mais ce qui me casse les couilles, c'est que je suis obligé de faire la perceuse. Et du coup, je perds un ruban isolant. Donc, ça fait une station de moins. Mais sans perceuse, pas de station. Voilà, c'est aussi compliqué que ça. Puis. J'ai plein de trucs. Il faut que je boive. De l'eau. Voilà, on va manger un peu de ça. Histoire de faire un peu de place, parce que celle-là, elle prend quand même 1, 2, 3, 4 sur 4, ça fait 16. 4, 8, 12, il en manque 2. Mais en enlevant les matériaux pour la construire, j'ai pas d'alu. Aluminium. Ah. Moi, je me demandais si on l'avait tourné dans le vide. Elle perdait en durabilité. Mais non. Allez, hein. Là.
Cool. Ne sait faire qu'une seule station. T'as deux alus. Tu manques de pneus. Ah, mais là, je vais pouvoir en avoir, hein, du pneu. Voilà. Deux alus, deux stations. On a la perceuse, on a deux stations, on a plein de bouches d'oxygène. Bon, on va en avoir beaucoup moins tout de suite, mais... Alors, hop, j'ai les stations. Je te merde. Le verre, on va le transférer. Là je peux, et en construisant, je fais même, on va même faire ça. Ça gagne encore un petit peu de place. Mais il faudrait aussi que je fasse des... ça. Pour ça, il me faut du métal affiné. Rien de tout ça ici. On va chercher du métal. On est juste là tantôt. Ousque. C'est beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu d'aller, ça. Beaucoup, beaucoup plus loin. De métal, tu rigoles ou quoi? Il en faut beaucoup plus que ça. Couille. What? Rentre à la maison, rentre à la maison. Je sais bien. J'ai plus que le temps de rentrer, mais bon. Bah non, hein. J'y étais. Ressources, métal affiné, bim. Il m'en manque un, enfin un deuxième. C'est de l'alcool qu'il faut que je trouve pour récupérer de la vie. On n'est pas trop mal là. Bon, en route vers là au bout. Première halte, bonbonne jaune. Faudrait que je calcule une fois aussi si il vaut mieux que je laisse recharger tout mon truc d'accélération ou si je peux y aller psh, 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 à chaque fois.
Donc il faut faire le tour de la boule bleue. Mon péoui. Sans passer par là. Là, il y a un truc aussi. On va essayer de se mettre plus ou moins au meilleur endroit possible. Ce qui ne veut rien dire. Déjà préparer la sortie de ce truc-là. Mine de rien, avec les 100 secondes, on va quand même nettement plus loin. Ce qui est logique, au début tu es avec 50 pi. Ce serait bien d'en placer une entre les deux. Enfin, entre. Suis à 400 mètres. En 60 secondes. Moi, je crois que je vais être obligé de faire un poste de halte. Faut compter que je fais plus ou moins 500 mètres. Et c'est parti, on va jusqu'au truc maintenant. J'ai pas ma deuxième station, hein, non? C'est ça que on va m'annoncer, non ça va. Donc ils sont sûrement tous morts, on sait. Là, je vais trouver une poche d'air, ce serait top, hein. Des nouveaux conteneurs. Ce sera des longues missions de farm, ça, putain. Ah, je suis à côté du pont de votre capitaine. Tout va bien, la communication avec le pont est absente. Tous meurent. Pour accéder au pont, vous aurez besoin du code admin 123. Tuez tous les passagers, appuyez dessus, mais n'ayez pas peur, ça ne tue personne, c'est juste une erreur de traduction. Localization sounds extremely convincing. The information on the captain's bridge is classified in the database. Therefore, it's recommended to ignore this value of advice and act according to the situation. J'ai pas tout à fait le temps de tout lire, mais en gros, il nous dit faites peut-être pas ça. Le point d'évacuation à 100 mètres, on va voir, parce que ça me chipote maintenant que je suis arrivé si près. Il est bien hors de question que je n'aille pas voir. Ah, je le savais que j'aurais une poche d'air ici. Oui, si vous venez à entrer à l'intérieur, il pourrait être possible d'envoyer un signal de détresse à la planète la plus proche. Ou de botter le cul du capitaine qui a laissé se produire cette catastrophe. Pas d'alimentation. Nouvel objet. Oh putain. Personne. Réparé. Ouais, c'est toujours très. La réparation. À coup de casseur, c'est toujours un truc qui marche bien, bien, quoi.
Un bon coup de tournevis américain et on y est. 1, 2, 3. 1. Oh, une clé ordinaire pour un verrou bon marché. Vous pouvez ouvrir ou fermer quelque chose avec, ou vous pouvez la perdre et ouvrir la serrure avec votre doigt. Il est étrange que. Mais je me rappelle pourquoi je ne lisais pas toi haute voix. Parce que j'ai pas le temps de tout lire pour moi du coup. Mais je l'ai ma clé. It's gonna be a long day. While choosing the most painless suicide methods for you, a slight decrease in the background radiation was noticed. Surprisingly, your attempt to break the liner could lead to positive results. I could find out the nature of this phenomenon, but for that, I would need to disclose some confidential information of the Breath Edge Company, which contradicts the security protocol, so not a single spacesuit AI will disclose this information to you. On the other hand, this information is extremely necessary for us. There are a lot of stupid spacesuits and dead carriers floating around, so nobody will even know if you resort to a good old torture method, like the drill. It's gonna be a long day. Oh là, il y a un tombeau, c'est le volant, ok. Est-ce que je vais pouvoir trouver des trucs interesting, genre de l'alcool pour récupérer un peu de vie. Ça serait vraiment cool. Le problème. Voilà, ça recommence comme dans Subnautica. Plein des balises partout. Pour vous, ça veut peut-être rien dire du tout, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Oui. It's gonna be a long day. Bon, je cherche. Mais je sais pas ce que je cherche, mais je cherche. Ce qui m'ennuie, c'est son histoire de tâche. Tenir des infos avec une perceuse, mais où? Where is this objective? Un truc rose. Putain, y a rien. La cabine du capitaine, y a rien. C'est fou ça. Même pas une armoire à ouvrir, juste un peu d'oxygène. Tiens, s'il te plaît, cadeau. Alors, en soi, c'est bien, mais. Allez voir là les trucs bleus que j'ai vus tantôt. Ça m'intrigue. Ah, on dirait des petites capsules. Là-dedans, j'ai peut-être trouvé un peu de quoi. Avancer plus vite. Rien du tout. Il faut que je fasse demi-tour très vite. Pour retourner à la cabine du capitaine, qui n'est absolument pas noté. C'est trop sympa les copains. Voilà, oh, c'est pas si loin. C'est juste là.
Ah, je viens de penser, il va falloir que je boive aussi, que j'ai pas pris à boire avec moi. Malin. J'ai envie d'aller jusque-là. Voir si c'est possible. Je peux rentrer là-dedans? Oui, de l'air. Oui. Oh. 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 C'est un banc plus amélioré, je peux crafter des nouveaux trucs? Oui. Ah non, je suis déjà ça. Ne me donne pas de nouvelles recettes, mais trouver des nouveaux trucs. Rien que ça, c'est cool. Partie de plan obtenue. Volant 1 sur 4, je dois aller scanner l'autre. Surtout quand on monte avec quelqu'un. Mais oui. Descriptif. Grande bougie. Voilà, nouvelle recette sûrement. Mais oh oui! Il n'y a rien d'autre à faire dans la navette d'ingénierie. Il m'a dit quoi quand on est arrivé là? Bon, c'est bien. On a bien avancé, on s'est retourné jusqu'au camp. La navette est quand même vachement loin. On va tout ramasser, tout mettre dans le conteneur. Il y a plein de conteneurs. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a plein de conteneurs. Il y en a deux, hein. T'emballe pas. Mais ça peut devenir la nouvelle base. Carrément devenir une nouvelle base. Il y a un processeur, je suppose que c'est mieux qu'une cuisine. Du métal, du câble. Ah. Elle est censée tourner? On ne t'entend pas bien, la radio. Bon, il faut équiper la perceuse. C'est ça les infos avec la perceuse. Ah oui, donc il devait me dire que j'allais dans la navette d'ingénierie avant que.
Je vais quand même le faire chier. Oh merde! Non! Oh le gars! Hein? J'ai eu un peu peur, en vrai. Ça ne scanne rien du tout. On va quand même aller chercher les trucs ça. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, j'ai loupé un truc de l'autre côté. Bon, maintenant, il m'affiche plein de choses. Qu'est-ce que c'est qu'on m'affiche ? Ah, débris de navette, débris de navette, débris de navette. Navette d'ingénierie, on va la mettre en jaune comme la base. C'est dommage qu'on n'ait pas la musique comme dans l'autre. Bon, j'ai des nouvelles recettes. Oui, équipement, objet. Et puis, je peux faire une grande batterie. Ouais, ok, fort bien. Mais on va retourner dans la navette du capitaine. D'où j'ai laissé le volant sans le scanner. Et vu qu'il y a 4 bouts de volant à scanner, on va éviter d'en laisser un voler pour rien. Surtout qu'avec un volant, est-ce qu'on peut pas penser petit véhicule? Tout petit, petit, petit. Un truc qui va un peu plus vite que 6 mètres secondes. Tout, 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 tout petit. Là, je peux pas le scanner parce que c'est pas un volant hein, puis... donc 300 mètres 300 mètres il n'y en a pas un par ici il me semblait que si bon. Bon, bah non. C'était à 220 mètres ok on y va. Ah oui, c'est juste des petits débris de navette comme ça, à gauche, à droite. La boisson, il y en a dans la truc d'ingénierie. On va essayer de faire cette mission vite. Là, je parie qu'il y a une toilette. Ouh, c'est nouveau ça. Le truc nouveau. Là. On a fait gaffe de pas te piquer dessus. Hein. Titane. Ok, il y a plein de titane, mais il faut que je vois ce que c'est le compensateur que je viens de débloquer. Là, il y a un truc. Allez, rentre là-dedans. Oui, je sais bien. Compensateur électrique. Distribution efficace d'électricité dans toute l'énergie. Toujours cet alcali hein, que j'ai pas... Alors que je suis quasi sûr que c'est avec le liquide jaunâtre. Voilà, là on est bon.
Toujours ce stop radioactif là qu'on ne sait pas trop ce que c'est. C'est peut-être la dose de radioactivité que je me prends dans la gueule. M'en fous. La radioactivité n'existe pas. 80 mètres. C'est tout près ça en plus. Oh. Autre chose. Kit de construction. On va pouvoir construire un aimant. Oh là, ça fait beaucoup de choses. Scanner. On prend un peu d'eau. Bon, on va aller voir tout ça parce que là il y a eu pas mal de choses qui sont apparues, j'ai pas eu le temps de lire. Le problème c'est l'oxygène toujours. Hein. Donc. Non. Non. Et si on sauvegardait? Parce que là, leur histoire de... Attends. Kit de construction, un marteau, des ciseaux, des clous. Rien de nouveau. Ok, mais on va quand même se vider parce que c'est bien beau tout ça, mais ça prend de la place, mine de crayon. Durabilité 5, merci les gars. On va faire de l'eau. Il y a un moment où on a soif dans ce jeu. De toute façon, c'est 2 pour 2 là. Elle est con. On va se débarrasser du doigt et du calendrier aussi. Bon, l'œil de contrebandier, il faudra essayer de se rappeler qu'il est là. Voilà. Allons-y, Alonso. On sait pas. Hein. Faut que j'en fasse un. Pouah. Ils sont bien ces containers. Pour nous donner un curseur plutôt. Rentrer maison. Et je ne peux pas. Oh. Oui.
I know. Oh. Oh. De métal de résine, on va essayer. On gagne quand même pas mal de place, enfin, du kermu, donc. Ok, continuons l'exploration. Si on me donne tant de pneus, j'aimerais bien faire de l'isolant, mais si ça se trouve, il va servir à autre chose. Et terminons ici, parce qu'il y a toujours l'icône. Et que j'ai pas tout vu. Ah bah oui, totalement, j'ai pas tout vu. Oh non. Rien d'autre à faire. Bon. Faut que j'aille me refaire un casseur. De toute façon. Ça, c'est signé Quanon. Donc il me faut du métal. Pour avoir du métal, il me faut un casseur. Ou alors retourner loin, loin, loin. Ou refaire le tour ici en espérant trouver un peu de métal qui flotte. Ça et ça. Oh merci Providence. Je vais terminer le conteneur que j'ai commencé là. Et là j'ai vu un pneu. Quand je suis arrivé, j'ai vu un pneu. J'ai pas le temps, je reviendrai. Oui, je sais, je sais, je sais, je sais. Oh,
les ampoules. Vivement que je puisse le construire moi-même, mon conteneur. Hein. Autant avoir un max de place. Et là, on va dans une autre navette en fait. On va trouver plein de recettes. Tous les pneus, vous venez avec moi. Ça, c'est pas un volant peut-être, mais il faut que je me casse. Autre chose, histoire. Et la désobéissance de quelqu'un avec une bonne frappe. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai oublié. Voilà, on a un outil de réparation Itou. Rien d'autre de nouveau. Peut-être que je crafte ça. Mais non, de nouveau, pas d'alcali. C'est mon problème, c'est l'alcali. C'est bon, je vais y aller avec ça. Oui, ils considèrent que j'ai tout exploré, mais moi je sais qu'il y a des conteneurs sûrement, vu que c'est une navette comme là ici. Donc j'aimerais bien refaire un dernier passage. Oui, oui, oui. On ne peut rien ouvrir. Ça, j'ai fait ce qu'il fallait. Ok. Non, je flippe pas parce que j'ai pas d'alcool pour me refaire de la vie. Ah bah je suis content, j'ai bien avancé là en une heure. Je me réjouis de le rencontrer, le babe ou la babe.
séparer de ça. On a à boire, on a à manger, et on a presque fini cette mission de reconnaissance. Il y a deux containers là. Mais d'accord que c'est la dernière. Ah non, il en a encore trois. Oui, je sais. Bon, des coffres partout. Ma première base est pratiquement à l'abandon. Mais je suis dedans là, arrête tes conneries. Hey, ma musique est là, enfin. Toujours pas d'alcalipi. Attends, parce que c'est où? Parce que c'est bien mignon de me dire qu'il y en a encore deux, mais je ne les vois pas. Il n'y en a plus. Voilà. Et je fais quoi maintenant, alors? Il m'a dit quoi? Revenir chercher tous les cercueils. Ok. Alu 2, batterie aimant. Ok. Alu, j'en ai qu'un. Batterie aimant. C'était quoi d'autre? De l'alu. Le ruban isolant. Und aluminium. J'en ai vraiment pas du tout. Si je dois en avoir au moins un. Eh ben non. Parce qu'il y a des cailloux ici. Ça, c'est de l'alu. Du moins, j'espère. Ben non. Crotte. Ah, il trouve le moyen de te faire revenir à ta première zone, hein. Là, t'es bien emmerdé sans alupi. Et sans gros caillou avec de l'alu.
glace. Lui, il est là. Et là, on a l'électronique. Faire de la glace. Alcali. Alcali. Bien de la glace. On ne s'était donc pas trompé. Comment est-ce que je peux refaire une pince? Métal affiné, câble alu. J'ai tout. J'ai pas d'alu. Non, oui, mais maintenant que j'ai de l'alcali, je peux faire des batteries, etc. Je peux peut-être avoir de nouveaux points. Métal affiné, titane, ça j'ai par contre. Oui, clairement, madame. C'était un titane. Et deux. Allez, donne-moi une nouvelle recette grâce au compensateur. Pas du tout. Et j'en suis où dans mes tâches, en fait? Ah oui. Faut de toute façon que je retourne chercher... C'est de nouveau de la résine, il faut la pince. Oula, 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 oula. Là, je sais qu'il y a des cercueils. Oui. Oui. Faut rentrer vite. Est-ce qu'il ira plus vite ou est-ce qu'il me donnera plus de vitesse? Mais si je peux le fabriquer avant de rentrer, ça va être l'apogée du stream d'aujourd'hui. Enfin, du stream d'aujourd'hui, de cette session de stream ici. Si je ramène un peu tout ce que j'ai ici dans les trucs, je vais pouvoir le faire. Regarde en 4 comme ça. Prends un peu de titane avec toi. Si je dois pouvoir faire des grands générateurs d'oxygène. Hein. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Prends des câbles, des tissus, on sait jamais, prends ça directement.
prends du carbu, de l'électro, un peu de batterie. Le shawarma. Ah mais j'en ai deux. Ah, attends. Métal affiné, ça peut se faire. Et eau jaunâtre, ça peut se faire aussi, en fait. Parce que l'eau jaunâtre, c'est de la glace x 4. Ok. Ok, non, c'est bon, on va arrêter les bêtises. On se redécharge. On va chercher un peu de métal dehors. 8 pour être exact. Oh, je suis tout excité. Mais. 5. Il faut que je prenne de l'eau aussi. Très bien. 1, 2, 3, 4, 10, ok. 6, il m'en manque 2 d'eau. Ouais, il va te manquer de l'oxygène aussi bientôt. Oh, mais les 2 d'eau, ils sont sur le chemin. 18 secondes. Allez, on me fait de l'eau jaunâtre deux fois. Du métal affiné deux fois. Et je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont besoin de ces souris. Enfin, c'est comme ça que je comprends, moi. Jusqu'à une date récente, elles couraient dans les parages et rongeaient le câblage. Shawarma. Oui. Accélérateur plus 50. Donc ça veut dire que je vais aller plus vite. Ça. Et ça, c'est vachement cool. Ah ouais, j'ai un double en fait. Il va falloir que je fasse le passe magnétique de l'autre côté. Donc. C'est l'alu qui manque, hein. Oui, c'est ça. Batterie aimant, ruban isolant. Ruban isolant, j'ai. Batterie aimant, il manque. J'en prends deux. Je prends plein d'alcali. J'en prends deux. Ruban isolant, j'en ai deux. Il manque un truc, puis l'alu, mais... Ruban isolant épais, ok, batterie, ok, aimant, ok. Bon ben on rentre, on sauvegarde. Je ne fais que du 12 mètres par seconde. Hein. Ouais. Oh, si, ça marche quand même bien. Du coup, normalement, je devrais pouvoir arriver à la station verte. Pratiquement
sans respirer. Mètres. Ouais, ça a l'air de quand même pas mal changer la donne parce que j'hésite même à aller voir jusqu'à celle-là, mais 900, je suis pas sûr quand même. Bon, laisse-moi chercher jusqu'au max, voir. Après, les barres s'éteignent, mais ça veut dire qu'elles sont pleines, c'est tout. Surtout que ça dure deux fois plus longtemps. Ça va légèrement plus vite, mais ça dure deux fois plus longtemps. Là, je peux quasi faire de la navette et ici. Parce que voilà, là, on va se laisser. Ça m'a enlevé carrément mon vaisseau de base. Pourquoi est-ce qu'il me l'a débalisé? Ouais, je peux tout simplement plus le voir. Il est là, hein, je le vois. Mais c'est dommage que j'ai pas une histoire de distance, quoi. Mètres en 60 secondes, grosso modo. Donc je peux peut-être économiser un peu. Techniquement, je pourrais y arriver. Me recharger en O2. Et puis, partir en quête de l'aluminium. Des cercueils partout. Tu as pas mal noté celui-là. Foiré. Je trouve ça con que ta navette de base, il ne te la note plus. Aluminium. Bon, j'en ai pas. J'ai des clubs, j'ai plein de choses, mais j'ai pas d'aluminium. C'est bien ce que je me disais. On va retrouver un caillou avec de l'alu. Je vais le trouver vite.
Allez. Allez, allez. Non, glace. Retourner là, il y en avait. Il va y en avoir qu'un. Non, mais je crois que c'est juste ce qu'il me fallait. Je pourrais déjà ouvrir un cercueil avec et ce sera déjà bien. Mais je crois que je peux pas le faire ici parce que j'ai pas. Donc, le pied de biche magnétique. Du coup, on est bon pour réexplorer toute la première partie. C'est beau. Ah putain, c'était ça qui manquait pour débloquer le succès ici. Allez, alcool. Par le cercueil alors. Il y en a un près de la toilette, je crois. Trois kilomètres. Où est-ce qu'ils sont ces cercueils là? Quand je suis arrivé, j'avais peur. Ah bah. J'ai faim, nickel. On est là, ça. Non, pas du tout. Est-ce qu'il n'y avait pas le casque peint aussi que je pouvais faire un nouveau truc? Ah mais il est meilleur. Il est meilleur.
Oui, verre, oui, peinture et plastique. Aluminium, je vais le chercher. Verre, j'en ai par terre. Peinture. J'ai plus de peinture, mais je sais où aller la chercher. Plastique, j'en ai. J'ai plus de peinture. Je n'ai plus de peinture. Comment est-ce possible? Bien dommage, bon, on va aller en chercher, pareil. Mais je peux y aller en revenant. Trouve des cercueils. Il y avait d'autres cercueils hein, ici. Tu enlevais qu'il n'y en a pas ici. À mon avis, quand on a ouvert 5, il te fait, oui, bon, c'est bon, tu peux ouvrir vraiment les 200, mais tu n'es pas obligé. Il me faut encore de la lune. Faut rentrer, puis. Allez, on va chercher la peinture. Espérons que je trouve un cercueil ou deux par là. Mais je pense pas. Là, il y a de l'alu. Quitte à prendre un peu d'air dans le bazar, autant en prendre beaucoup, mais avoir chopé de la lumière avant. Pour l'instant, il manque beaucoup de la lune, c'est un peu chiant. Ça ne me sert qu'à aller chercher la peinture, mais... Je suis en train de me demander s'il n'y en avait pas juste à côté du vaisseau en plus. En plus, c'est pas de la peinture au plomb, ou si c'est juste de la peinture.
casse-couille tous ces réservoirs vides. Je suis quasi sûr de tout près. Des avoir peinture, mais est-ce que ça en est vraiment? We'll see. Pas du tout. Bon, ils sont là, les deux trucs bleus là. Est-ce que j'ai le temps de faire aller jusque là, remonter jusqu'au vaisseau? Ceux-là sont plus près. Ah oui. C'est pour des réservoirs d'eau, tout ça. Un peu du tissu là. Que je n'ai pas ici. Ah, tellement de choses. Détour par là. Espérons choper un petit cercueil. Non, non. Cercueil ou peinture, hein, je prends un peu tout.
Et moi, je vais me prendre surtout une petite pause. Mille cent mètres, c'est bon. Après, si ça peut me permettre de faire juste jaune orange, moi je prends. Mais ça me paraît chaud. J'en ai fait 400. Non, ça sert à rien. Là, il y a un truc. Non, j'y serais jamais arrivé. Bon, on va ouvrir les deux cercueils là, au bout. Je fais une petite pause, moi. Je reviens sûrement sur... T'es un petit Atomic Corp. Si je peux passer directement à la cabine du capitaine plutôt que de passer par là, est-ce que ça se tente? Ça me paraît chaud quand même. Par contre, on a besoin genre de 10 secondes pour arriver là. Ah si, il faut bien 12 secondes. Bon, maintenant les cercueils sont là en dessous. C'est là que je trouve de la lune juste là. Je me fais nier. Notre antenne parabolique explose, il en reste une, mais je ne peux pas la trouver. Tant pis pour toi, babe. Il y en a deux des cercueils. Sérieux, il n'y en a aucun à ouvrir ici. Quel monde de salauds. Ah celui-là quand même. Activity, bombarding four with other similar activities, leading to a further increase in its activity.
interlocutor has already mentioned this shuttle with survivors. It would be nice to find it before you actually destroy everyone. I will mark several interesting places that I found through the copper notification. Cool. Ouais, je vais avoir des nouvelles quêtes, je vais... C'est bien, mais où est ma peinture? J'ai que de la peinture au plomb. If you want to open more coffins, there's a chance that I'll be able to detect new, potentially useful debris, while my anti-vandal program scares you with criminal liability. Entirely by accident, cracked the data block which I had insufficient privileges to access. From the information gathered, I can conclude that the agency coffins not only transmit information about obstacles, but also exchange strange encrypted data packets. Unfortunately, even when threatened with a drill, I wouldn't have enough power to decrypt it. You would need some military equipment here. Nouveau plan. Non? Y a pas un peu de peinture ici? Non, 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 bah non. Casse-couille. Je trouve de la peinture. Là, on dirait un conteneur. Conteneur à peinture. Je me rapproche, moi, ça a l'air d'être ça. Non, et plus je me rapproche, moi, c'est ça. C'est juste un bout de ça. Fais chier! Là-dedans, je passais tantôt, mais un peu en méga vitesse. Évidemment, je me sens toujours mieux quand je la vois. De visu. 2000, 2000, 1200 et 400 mètres. Dis-moi qu'il y a de la peinture là. Ce serait topissime. Secondes pour faire 200 mètres plus ou moins avec full propulseur. Beaucoup plus proche. Ouais, c'est plus facile à calculer.
Eh ben non, j'ai plus de casseurs. Parfait. Bon, allez, micro-pause. Et... à tout à l'heure.